Philippe Bodard, donc je suis travailleur social. Je suis très engagé sur la question des mineurs isolés et des mineurs isolés notamment étrangers. Je pense que la situation est inacceptable sur le plan de la dignité humaine. Que le Conseil général et l'État, par l'intermédiaire de la préfecture, se renvoient la balle sous le nom des jeunes qui sont en grande situation et en précarité. Voilà, on a affaire à des jeunes qui ont besoin d'un soutien éducatif, qui ont besoin de manger correctement, qui ont besoin d'un hébergement, qui ont besoin d'être protégés. Moi d'ailleurs, j'ai fait le choix de parrainer deux jeunes mineurs isolés étrangers. Donc je les accompagne dans leur démarche, où j'essaie d'être derrière eux pour un petit peu les sécuriser au niveau affectif, au niveau des procédures. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser la situation empirer. Et il est temps qu'il y ait vraiment une mobilisation la plus large possible pour arrêter la stigmatisation.